Et salut tout le monde, c'est Floflo, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Child of Light. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va toujours aussi bien. Je tourne à la suite parce que j'avais envie, voilà, point. On va aller voir dans ce puits ce qu'il y a. Une fois on avait sauvé les habitants qui s'étaient transformés. On aurait pu passer à côté en fait, hein. On aurait pu passer à côté de cette mission. Qu'est-ce que tu fais? De la scène aussi où on a vu à la fin le père de Aurora qui est en train de mourir. Enfin, on dirait qu'il est en train de mourir. Je me suis absolument pas expert entre les niveaux. Je voulais juste voir il y avait quoi ici. Est-ce que tu peux... Elle a l'air différente celle-là. Bon, c'est pas grave. Voilà, récupère ça. Merci. Émeraude brute. Bon, on va pas se... On s'est déjà stuff la dernière fois. On verra dans les prochains combats si on a de la misère. Même si c'est vrai qu'il est peu probable qu'il soit, que ce soit des ennemis d'eau maintenant qu'on affronte. Plus peut-être des ennemis de terre. Ou... Oh là là, beaucoup trop de choses ici. Fonce! Je me suis fait embrocher. Voilà, bon. On n'est pas obligé de... Mais non, mais non. Je disais donc... Merci beaucoup pour ce combat. Non, en fait, je sais même plus ce que je disais. Voilà. Comme ça, c'est fait. À part que je me suis pas stuff. Et que on a pu passer à côté de tout ça. Je ne sais plus. Voilà. Donc, on voulait voir dans la fontaine, à la base, où était le soleil et la lune. Sauf que, du coup, on n'a pas vu ça, mais on a vu notre père on dirait qu'il est malade. Je ne serais pas étonné de voir que, parce que ça coule douce ici, tranquille. Dans les plaines à tout hasard, salut ma cousine, mais je vous préviens, elle est bizarre. Ok, why not. Ma parole, qu'est-ce que j'ai eu peur? Des spectres hantent ce vieux monastère, je m'en fous totalement. D'accord, bande d'ivrognes. Se battre pour de la bière. Non mais où va le monde? Où va le monde? Et oui, donc je disais, je suis prêt à parler que Umbra est derrière tout ça. Salut. J'ai mangé mon chapeau. Voilà ce qui arrive quand on est un oiseau. Je dois rester ici, mais je donnerai une pelle pour une pomme. Pour trouver une, nous ferons le maximum. Ok, trouver une pomme. Ah, s'il y a des trucs cachés dans la pelle, avec des pelles ou quoi. Bon, si vous trouvez une pomme, criez pomme. Voilà. T'as pas un arbre à pomme là à côté, genre hop, une pomme. D'accord. Vous avez pas une pomme sinon? Une petite pomme. La reine de la nuit. Oui, ben, on s'en était un petit peu aperçu effectivement. Oui. Bon, on n'a pas de pomme pour l'instant. Que voulez-vous nous? Que voulez-vous nous? Mais oui, mais oui. Ravi de vous rencontrer. Parle pour toi. Ok, ok. Fais d'accord que j'ai bien failli y rester. J'ai entendu un bruit en rentrant chez moi, près du pommier fleuri dans la forêt. Je suis allé dans mon jardin et là, on m'a attaqué. J'ai rien pu faire et en fuyant, j'ai cogné un doigt de pied. Vous plaisantez? Non, j'aime drôlement déguster. Pauvre homme, quelle injustice. Et si tu te servais de ton épée? Sois plus courageuse que mon petit-fils. Et je saurais te récompenser. Tu me donneras une pomme? Cherchez l'arbre à pomme. On s'en fout, mec. Désolé, on s'en fout un peu. Alors, où allons-nous exactement? C'est là que réside mon tourment. Un instant! Mon dieu, aurions-nous oublié quelque chose? Absolument, moi! Le mois passé, j'ai eu 13 ans. Ce qui est un âge honorable, hein? Ce qui fait de moi un homme, je crois. 13 ans, avec cette barbe. Nous vieillissons vite, nous les Capilis. À vrai dire, grand-père m'a chassé. Aidez-moi, je vous en prie. D'accord, vous pouvez nous accompagner. Mais... je vous interdis de ronfler. Elle n'a pas tort, le sol. Vous faites trembler. Ah oui, le sol, oui, 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 évidemment. 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 Bon, on s'en fout un peu de ça. Oh, attaquez-le! Je veux trouver une pomme. Il me faut cette pomme, absolument. Alors, j'aurais dû
réfléchir, c'est pas grave. Donc toi, tu vas faire du feu sur ce qui est vert, car le vert craint le feu. Toi, tu vas partir et tu vas prendre Aurore à la place. Et toi, du coup, tu attaques le monsieur vert. Sans tout rond. Tout pile. Non, c'était l'autre, c'était l'autre. Ah, mon dieu, malheur. Ouh, il fait mal en plus. Ralentissement, c'est pas comme si j'avais déjà pas assez vite. Oui! Du coup, tu vas attaquer sur qui? Je crois qu'il est pas vulnérable au feu du tout. Mais si, mais si, mais si. Bon, attendez, on va. Oui? Non? Il y a beaucoup de vent par ici. On va regarder ça tout de suite. Oh, flash stellaire niveau 2. Ça, c'est bon, ça. Il y a un truc là aussi. Entaille plus. Ah, il y a beaucoup de trucs intéressants aussi. Augmente ça. Toi. C'est quoi ça? Frappe plus. La dernière fois, on a pris soin plus. On va continuer là-dessus parce qu'il y a ça. Je pense que c'est un passif, ça semble en tout cas. Ici, on va. On va continuer sur cette voie-là. Et les oculistes, ça que j'ai envie de regarder. Parce qu'on s'est tous mis en haut. Mais. Foudre. Donc il y en a un que je vais mettre. En eau. Lui, peut-être. Bien que en ce moment on n'est pas trop sur le délire de l'eau. Bon, si on va mettre ça. Et ici une résistance aux dégâts de feu plutôt. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. On va pas mettre tous en dégâts de feu parce que on sait jamais. Si on tombe sur quelqu'un qui fait de l'eau, ben on sera un petit peu voilà. Ah mais il y a quelque chose en haut ça que vous voulez me montrer. Il y a un avenir caché. Ah. Laissez-nous passer. Ok, j'ai compris. Ne passe pas par là, c'est interdit. Et par là. Eh. Même si les coffres donnent que des potions ou des émeraudes, ça peut être quand même vachement utile, mine de rien. Parce que le jour où on aura un boss qu'on aura du face auquel on aura du mal, on sera bien content d'avoir toutes ces potions. Petit passage secret. N'empêche, qui laisse traîner tous ces coffres? Umbra là, elle laisse beaucoup de choses traîner. Ouf! Ouf! Oh mais il y a une porte là, il me faut cette porte. Pousse-toi. Attaque surprise. Attaque surprise. Esprit de feu. On a de quoi faire. Ah mince, ils sont deux. Il me semble que lui il attaque très vite, hein, donc on va. On va s'occuper de lui tout de suite. Et puis en quelques coups on peut le tuer. Ouch! Ouch. Oui, yes! Du coup, on va attaquer lui. Par contre, là, ça va être compliqué. Ouais. Boum! On va essayer de se prendre le. Je vise. En fait. Je vise pas forcément une personne en particulier, j'essaie de prendre le moins de dégâts possible. Surtout. Genre lui il est assez lent. Vous voyez. Faut pas trop s'inquiéter quoi. En plus mine de rien, papy de 13 ans là avec son. Avec sa canne, il fait quand même mal hein. Hop, et là tu peux faire un petit sort de feu parce que t'as le temps. Tranquillou.
Même quand je dis tranquillou, Google s'allume. Alors que personne ne l'aime, personne ne veut qu'elle soit là. Voilà, merci. Et là, elle a dû rapporter max d'XP, voilà. J'aurais pensé plus, je suis un petit peu déçu, c'est vrai, mais bon. On fait avec. Salut, salut, je sais pas du tout qu'est-ce que je fais là, mais je suis là. Ah, ok, bon, ça c'est fait. Aïe, 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 aïe. Il y a un secret caché, j'en suis sûr. Ah, non, 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 mais je perds tous mes PV, mais c'est affreux, c'est un désastre. C'est un malheur, c'est un malheur désastreux, c'est... Oh mon dieu. S'il n'y a pas un truc magnifique dans ce coffre, je serais fort déçu. Je suis fort déçu, voilà. Attendez, attendez, non, mais que se passe-t-il? Ouvrez cette chose. À quoi ça me sert? À quoi ça me sert? À quoi ça me sert? À quoi ça... Non! Non! Qu'est-ce que... À quoi ça me sert? Parce que là, je ne comprends point. Je cherche l'explication. En vain, je la cherche, là, l'explication. À part la envoyer dans le ciel. Attends, elle est où ma luciole, là? On refait péter les points de vie, là, parce que j'ai pris cher. Ok. Et donc? Je cherche encore l'utilité. Et je ne la vois toujours pas, malheureusement. Je suis perdu. Émeraude brute, ouais, bon. Il m'a coûté cher en PV, l'émeraude brute, quand même. Poudre de magie. Mais si les lucioles me foncent dessus maintenant, qu'allons-nous devenir? Où allons-nous? Que je sais pas. J'ai pas de réplique. Bon, bah c'est pas grave. On va dire qu'on a compris cette énigme. Hein? On va surtout dire qu'on se casse. On dit qu'on se casse. Aujourd'hui, on essaie de faire un épisode un peu moins rempli en histoire et un peu moins long. Parce que la dernière fois était quand même beaucoup plus long. Donc objectif numéro 1, trouver la sortie. Ok. Là déjà c'est pas la sortie par là. Bah non, c'est pas du tout la sortie. Qui fait du vent comme ça là? Par là c'est pas... Ok, j'ai compris. Non, en fait je ne comprends absolument pas. Qu'attendons-nous? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? C'est ça que je me demande. Il y a un passage là-haut. J'ai vu. Encore faut-il que le jeu me laisse. On apprécie. Merci. Voilà. Bon, c'est appréciable aussi, mais c'est pas non plus forcément. Quoi? Ouais, merci. Deuxième essai, deuxième vie. Je ne sais absolument pas où je vais, hein. Je suis en mode exploration, découverte, je suis perdu. Le vent a redoublé de violence. Sans deck. C'est bon, on est refait, on a... J'aimerais... Aura quel rôle d'un père exactement? Le soir, un père borde son enfant. Lol. Il l'étreint quand la tristesse l'envahit, lol. Il sait toujours quoi faire et comment, lol. Il n'est nul meilleur ami que lui, lol. Tout cela à la fois, mais comment? Un père a d'innombrables talents. Oh, sans doute. Je te crois. Non, non, non. La page, la page, la page, la page, oui.
Bon, pas là, on est, ça mène clairement là où on était tout à l'heure, donc on y... Nous, non, 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 non! Déceptance! Voilà. On échappe déjà... On fait pas à 100%, mais on essaie de tout choper quand même, hein. Ne soyons pas cupides, mais ne soyons pas non plus négligents. Ok, du coup, on est sorti de cet endroit, et j'ai... j'ai dit ok, vous savez qui est-ce qui est arrivé? Google, évidemment, mais bien sûr! Le géant est là-bas, bonjour le géant. Changement de zone. Vers les plaines. Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce qu'on y va? Mais peut-être qu'on va l'amener là-bas et elle et finalement elle va dire non mais finalement je vous aime bien, je reste. Moi j'aimerais bien en tout cas. Aurora sillonna de morne prairie, puis atteignit une plaine. À la recherche du soleil et de la lune, elle désespérait, malheureuse. Alors qu'elle était persuadée que sa quête était vaine, le chemin dévoila soudain. Pas le soleil, non. Un peu de patience, voyons. Cette petite voix qui essaie de nous troller. Mais non, enfin, jeune imbécile. Oui, bon, bah, vous avez déjà dit ce discours, hein. Et là, c'est le cirque, non? Bonjour, le cirque. Le cirque est passé par ici, c'est sûr. Une fois le chapiteau en vue, ma voix s'envolera. Et j'aurai un brillant avenir. Non, vous vouliez dire... futur. En plus, ça se voit qu'elle essaye, la pauvre Bélia, essaie de faire des rimes, mais elle n'y arrive point, elle n'y arrive point. Ok. Je me suis pris un stop de la cascade. Est-ce qu'on peut... nage? On peut pas nager? Bon, c'est pas grave, on va le monter d'une autre manière. Ok, bon, c'est pas grave, on ne peut pas. En tout cas, on est retombé dans un... on est retombé dans un paysage un peu plus... un peu plus sympa. Quand même, et j'apprécie beaucoup. Et dans ce paysage, j'ai l'impression que le feu domine. T'es pas un boss, toi? Non, non, t'es pas un boss. J'ai l'impression que le feu domine. Enfin, qu'il n'y a pas d'eau, quoi, par ici, hein, clairement. Mais il y a un magnifique coffre. Ils veulent pas nous donner plus de recettes parce que, bon, là, vous êtes bien gentil, hein. Est-ce que je peux faire un saphir, genre saphir X? Oh! Allons-y. En fait, je m'attendais pas du tout à ce que ça marche. Mais c'est pas grave. Ah bah si, en plus, c'est écrit avec les rouges. Intelligence, bonsoir. Je les améliore tous, hein, ça sert à rien de les garder, je pense. Voilà. Que faisons-nous? Une citrine. Faisons une citrine. Ça a l'air cool, une citrine. Puis ça, c'est joli comme nom, une citrine, vous voyez. Bonjour, je m'appelle Citrine. Non, bon, en prénom, c'est moche. On est d'accord. Je pense que ça marche pas si on n'a pas les mêmes tailles de diamants. Du coup, retire ça. Tourmaline polie. Mais moi, je dis pourquoi pas. Et c'est... découvrons un univers. Et ça fait quoi? C'est ça. Par exemple, en attaque. Dégâts de foudre ajoutés aux attaques de mêlée et puissance physique plus 8%. Efficace contre l'eau. Dégâts de lumière ajoutés aux attaques de mêlée et puissance physique plus 10%. Efficace contre l'obscurité. 1. Les attaques de 10% ont chance de paralyser la créature. Oui, bah la tourmaline sert à rien, clairement. Par contre, je pense que je vais donner la lumière à elle, parce qu'il y a que elle qui a des attaques de lumière. Donc ça serait logique. Hein? Non, ça serait... en fait, c'est pas du tout logique. Ça serait plutôt logique de le donner à quelqu'un d'autre, puisque elle a déjà des attaques de lumière. Mais voilà. Et après, sinon, le reste, dégâts d'eau ajoutés. Bah, du coup, prends ça. Hein? Vu que c'est mieux. Et toi, bah, prends ça. Puissance physique de 8%. Bon. Je sais pas trop ce que j'ai fait. J'ai fait un peu mon... expérimentateur. Salut. Boum. Alors ça se trouve c'est un boss, je pense. Mais c'est pas grave. Arrêtez-les. Alors ces trucs là sont faibles contre le feu, il me semble.
Sauf qu'on est d'accord que j'aurai pas le temps. Mais faut que je fasse ça. Ah! Oui! Non! Oui! Non, oui, non, oui, non. Ah, mais oui, mais non, mais j'ai enlevé mon truc de feu. Je suis intelligent. Ah, et il fait. Ah, ils font très très mal quand même, hein. Eux aussi ils font très très mal. Non, 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 non. Au secours, à l'aide, à moi. Ah ouais, tiens. Boum. On va faire ça. Et toi, tu vas te prendre un bon truc de flamme dans le faciès. Comme il faut. Allez, boum. Ça déguerpit. Ce qui est bien avec les boss, c'est qu'ils sont lents. Toi, t'as un truc d'eau, il me semble. On va voir. Donc, la lumière, ça lui fait rien. Et l'eau non plus. Comme ça, c'est fait. Oh, je pensais que c'était un mini-boss, un truc comme ça. Mais non. Même pas, il y a une petite histoire. Un peu tristesse. Est-ce qu'on se laisserait pas là? Comme ça, vous avez un épisode court, on est content, tout le monde est content. En plus, le paysage est joli. Elixir accalmie. Attendez, parce qu'on a plein d'élixirs. Accélération. Augmente la vitesse de l'allié visé en 4 tours. Réduit la vitesse de la créature obscure visée. Et augmente la défense magique. Ça, j'ai envie de les garder pour les boss. Bon, ça on le fera un jour, bien je le ferai quand même, parce qu'on a un peu la flemme. Et puis comme ça, ben vous avez une raison d'acheter le jeu. Salut! Toi, on t'a déjà affronté une fois, hein. On connaît la musique. Par contre, on veut bien ça. Non, ne m'attaquez! Merci. C'est pas grave. Y a rien vers le ciel? Absolument rien. Attention, ah! Ouh! Ok, on va se laisser là. Je sais pas s'il y a une. Non, pas sauvegarder, mais pas avoir une compétence, quoi, non. Bon, c'est pas grave, je récupérerai tout plus tard. J'espère du coup que cet épisode vous aura plu. Même si du coup on n'a pas fait grand chose, on a fait beaucoup d'exploration. Découverte d'un nouveau paysage, mais qui a l'air super sympa. Les plaines. On est à peu près où du coup dans la carte? On est sur les plaines de Rambert. Du coup, à mon avis, on va pas tarder à arriver sur le géant. Et peut-être que cette chose qu'on voit au loin, c'est le cirque. Peut-être. Je sais pas trop. En tout cas, on est sur les traces du cirque, on n'est pas très très loin. Donc quand même, on tardera pas à le découvrir. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Tchuss!